7 minutes avec la Bible. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. Les noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples, et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, tenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Anani, b'mati shecha.